Et hier, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il n'y a rien de secret dans notre pays, c'est horrible. C'est ça qui un télégramme vraiment... du chef d'état-major général qui circule et dans lequel nous lisons que désormais, le gouverneur militaire, le lieutenant général Kotandima, gouverneur militaire du Nord Kivu, je me pose la question si nous devons continuer à l'appeler gouverneur militaire. Gouverneur militaire parce que le télégramme dit il n'a plus la conduite des opérations militaires. On lui demande de se concentrer sur la gestion politique et administrative de la province du Nord Kivu. Là, c'est le général. C'est le chef d'état-major général. Le chef d'état-major jeune. Il écrit sur ordre du commandant suprême. Et il avoue ça. Et donc, le gouverneur militaire va se concentrer sur la gestion politique et administrative. Mais ça, c'est très grave. La constitution de notre pays dit que les prérogatives dévolues aux provinces ne peuvent même pas faire l'objet d'une modification constitutionnelle. C'est parmi les articles verrouillés de notre constitution. Comment un simple télégramme du chef d'état-major général va dire que les prérogatives dévolues à un gouverneur de province élu, à des députés provinciaux élus, vont désormais être exercées, la gestion politique administrative de la province, ces prérogatives-là seront exercées par un militaire nommé encore que selon notre constitution, l'armée est apolitique. Du moment que on se rend compte que le lieutenant général Ndima n'a pas fait les opérations, que l'on prenne le courage de lever l'état de siège, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a, Ndima a fait beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas tout classé en noir. Mais plutôt que de continuer à maintenir un état de siège qui a montré toutes ses limites, il faut avoir le courage de relever, rappeler le lieutenant général Kotandima, l'envoyer à d'autres fonctions et ça ne suffit pas. Je salue le fait qu'on comprend qu'on a entretenu délibérément la confusion dans la chaîne de commandement. Par rapport à l'état de siège. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec joie, encore une fois de plus, que je rentre devant vous après un long moment où nous étions absents. Et c'est avec joie, vous m'aviez suivi dans les autres tranches réactions et puis nous étions live la semaine passée, le samedi. Nous avions parlé de beaucoup d'histoires que nous devrions, en principe, je vous avais promis que nous allions développer dans nos émissions traditionnelles, donc Contact Pro Live. Ici, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous continuons toujours avec le sujet que nous avions entamé. C'est pour cela, je demande à vous tous qui me suivez, vous de nombreux téléspectateurs, vous les nombreux followers, vous les nombreux qui sont sur WhatsApp, qui nous suivent, si vous voulez vraiment c'est que nous puissions avancer dans ce travail, abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous sur votre chaîne. Cliquez sur cet abonnement, sur cette cloche de cloche pour vous avertir quand est-ce que nous uploadons, donc nous mettons en ligne les émissions. Et puis, lorsque nous sommes en train de parler, lorsque vous suivez nos vidéos, et si vous aimez, aimer. Si vous n'avez pas aimé aussi, ça permet de montrer, d'avoir une certaine visibilité et une certaine crédibilité dans nos émissions. Nous vous prions vraiment de le faire parce que nous en avons besoin. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'abonner et que ça, je ne peux pas le nier et que je remercie ceux qui nous rejoignent. Ici, nous parlons justement de la Constitution et voir comment est-ce que la Constitution est en train d'être appliquée dans l'actualité. Donc, nos dirigeants actuels, comment est-ce qu'ils se comportent devant la Constitution? Néanmoins, ici, nous donnons nos solutions, nous apportons nos solutions pour que cette solution-là
qui sont des réflexions de tous les jours où nous nous disons, voici ce que nous pensons que, qui peut être fait pour que notre pays sorte de ce marasme de guerre ou bien de mégestion dans lequel nous nous retrouvons. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un fait, de l'être que le gérant quoi, de l'armée avait il avait envoyé aux gouverneurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, où les deux régions ont été déclarées de l'état de siège. Finalement, on se retrouve dans une situation où, dans l'espace où il y a l'état de siège, c'est-à-dire que nous avions eu des gouverneurs qui ont été choisis par le chef de l'État, envoyés là-bas, à remplacer donc l'administration civile. Et donc, maintenant, il y a un ordre du commandant, disons, du chef d'État des armées, qui donne, il retire le commandement des opérations à ses gouverneurs militaires. Donc, il y a maintenant les gouverneurs militaires qui sont là et le commandement qui est donné à d'autres. Donc, le commandement des opérations à d'autres officiers militaires. Donc, finalement, on ne comprend plus est-ce que nous sommes en train de respecter la Constitution ou pas. Voilà la question sur laquelle nous allons tourner tout autour aujourd'hui dans cette émission Contact Pro Live. Bien sûr, je vais vous balancer aussi certaines petites vidéos pour vous montrer cette cacophonie qui se trouve au sein même de l'armée et qui ne permet pas de comprendre finalement ce qui se passe en République démocratique du Congo, disons à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons avoir espoir que cette guerre va terminer pour bientôt? Nous allons essayer un peu d'en parler aujourd'hui et voir du côté de la Constitution qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est en train d'être biaisé. Voilà le sujet du jour. Et donc, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Adhésion de la RDC à l'EAC. La RDC va juste être déversoir des produits de tous les pays de la région. Ça, c'est patient Sibaya qui parle. Beni, des morts dans une attaque sanglante en pleine ville. Et puis, Belgique, qui a séquestré Léon Kengo Adondo. Vous lisez ça dans election-net.com. On va sur actualité.cd. 5 morts et plusieurs blessés dans une attaque des ADF ciblant la ville de Beni. Toujours Beni, le travail des enfants dans l'industrie minière en RDC au cœur de débat. Commission Tom Santos des droits de l'homme du Congrès américain. On va sur Congo profond. Congo législative à Pointe-Noire, Brice Dimitri de Bayendissa en meeting et carnaval pour boucler la campagne de Tieti. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Législative et locale au Congo-Brazzaville, toujours. Donc, Congo central réouverture par après 2 ans de frontières de Kalamba-Mbujimayi reliant RDC et Angola. On va sur 7/7. Exeta 2022, Denise Nyakero Tshisekedi encourage les RF à réaliser 85% pour être éligible à la bourse Excellencia. Genmena, la régie des eaux annonce la hausse de prix de l'eau et de bornes fontaines suite à l'augmentation du prix des carburants. Nord Kivu, une attaque en pleine ville à Beni, on a parlé de ça. On va terminer par Radio Okapi. Il revient au gouvernement de la RDC de ramener des maisons préfabriquées. Ça, c'est les avocats de Jamal qui parlent. Les femmes de la CIRGL à Kinshasa ont fait de plaider pour la participation politique des femmes. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, d'abord pour vous dire que à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des choses qui vraiment est en train de nous faire rêver. Ou bien on se dit, sommes-nous toujours encore en République démocratique du Congo?
Est-ce que les solutions vont être prises? Est-ce que nous allons avoir des solutions à ce problème que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo? Je vais d'abord vous peindre l'image de ce qui se passe. Le chef de l'État, constatant que les tueries devenaient de plus en plus nombreuses, on a déclaré cet état de siège. Cet état de siège, ça veut dire quoi? On a mis toutes les dirigeants, toute l'administration a été donnée au FARDC. Donc, les deux régions, l'Ituri et le Nord Kivu, a été mise sous la direction administrative militairement par le FARDC, c'est-à-dire que le FARDC assure, même il y a même les juridictions, tout ça. C'est ça l'état de siège que, selon le président de la République, ce qu'il nous a donné. Donc, on a mis ces deux régions-là sous état de siège. Donc, l'armée devrait résoudre le problème d'insécurité et de massacre qui croisait de plus en plus. Ce n'était pas que ces massacres-là étaient là, devenaient, ou bien ce sont des massacres que le président de la République a rencontrés. Donc, la situation d'insécurité était là. Il y avait des opérations sous Kola 1, sous Kola 2, il y a Amani, tout ça. Donc, cette situation-là dure depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Depuis 2006, il y a à peu près des résurgences, des guerres que nous ne comprenons finalement pas, que nous ne cherchons pas, nous, à comprendre d'où vient-elle, ou bien comment est-ce que nous pouvons résoudre ces situations de guerre. Est-ce que c'est une situation d'insécurité normale, ou bien ce sont des agressions? En tout cas, selon moi, ce que je suis en train de vous dire ici, la République démocratique du Congo n'a jamais voulu aller à la source. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en jeu pour que cette perpétuelle insécurité continue à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a fait que réagir à des actions. On dit qu'il y a des CODECO qui sont là, on essaie un peu d'envoyer les troupes, on essaie de faire des opérations pour terminer ça. Mais ils n'ont jamais allé juste au fond, effectivement, de ce problème-là. Ici, je peux vous dire une chose, que ces groupes armés qui sont éparpillés à l'est de la République démocratique du Congo, comment est-ce qu'elles ont été formées? D'où viennent-elles ces groupes armés? Est-ce que ça vient du Rwanda? Est-ce que ça vient de la République démocratique du Congo? Ça, c'est l'apologie même de cette guerre. Cette guerre est visible par de nombreux groupes armés. Et ces groupes armés, on se pose la question, sont-ils des groupes armés étrangers ou bien des groupes armés internes? Vous avez suivi tous les histoires de l'ONU, tout ça qui a commenté. Il y a même, je vais vous faire balancer des petites vidéos, je crois que vous l'avez vu au début de cette émission, où il y a une certaine cacophonie. Les groupes armés, je vous parle un peu comment est-ce qu'elles sont nées. Vous allez vous rappeler que notre armée a été une armée de mixage et de mélange. Et puis, l'ancien président de la République, en 2011, il avait pratiquement reconnu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à l'est de la République, dans la gestion de l'armée à l'est de la République démocratique du Congo. Cette gestion n'a pas été bonne, n'a pas été bien gérée. Et le président, c'était, en tout cas dans un discours, il a dit que non, nous allons faire en sorte que nous puissions ne plus retomber dans ces erreurs-là. C'était justement lorsqu'ils avaient défait le mouvement M23 en 2011-2012. Maintenant, le M23 a été défait, on a essayé un peu de contenir ce genre de groupes armés. Mais on les contenait, mais on n'allait pas justement à la solution pour justement éradiquer tous ces mouvements de groupes armés. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce qu'il y a une chose, le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo, n'a jamais voulu aller à la source. Comment gérer cette histoire-là? C'était toujours géré par, sans beaucoup plus d'importance. On se disait, bon, ce sont des groupes armés, tout ça. Elles ont été formées comment? Moi, selon les témoignages et tout ce que nous connaissons, ces groupes armés ont été créés justement par des généraux, des aigris dans l'armée,
qui se disaient ils n'ont pas de fonction. Beaucoup de généraux n'avaient pas de fonction. Il y avait un problème de salaire, il y avait un problème même de l'armée. C'est ainsi que les gens qui étaient affectés à l'est de la République démocratique du Congo devraient faire de leur mieux pour se financer, donc avoir l'argent. Il faudrait aller dans les minerais, il fallait faire le business. Alors les généraux qui étaient là-bas et qui sont là aujourd'hui font des affaires. Ce sont pratiquement des affaires. Vous allez les retrouver, ce sont eux qui construisaient des maisons, c'est tout ça. Alors il était maintenant difficile à ce que nous puissions gérer ces groupes armés. Et ainsi, de suite, le problème était devenu des cercles vicieux. Le problème venait d'où ? Le problème venait de la gestion même de notre armée. Notre armée n'était pas une armée républicaine. Et puis là, on n'a jamais pris ça au sérieux. Kabila n'a jamais pris ça au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des influences. D'autres personnes, on disait que notre armée est infiltrée. D'autres disaient que non, ils sont commandités par le Rwanda et tout ça. Il y avait beaucoup de versions qui mettaient toute cette cacophonie à ce que même le président ne savait pas où commencer. Nous sommes dit ceci. Comme le président Kabila n'avait pas le moyen de réformer l'armée, après avoir fait tous ces mixages, puis mixages, ressemblages, comme je peux dire, il y avait des carottes et des tomates qui étaient mélangées comme des choux. Donc l'armée n'était pas une armée républicaine. Même jusqu'aujourd'hui, notre armée, nous ne savons pas exactement qui est le commandant, qu'est-ce qu'il touche, comment est-ce que gérer notre armée. Tout ça est pris à la légère. Et c'est là que notre ennemi, l'ennemi c'est qui ? C'est celui qui profite de cette situation qui se trouve à l'est. L'ennemi, c'est celui-là qui se trouve, qui profite. Il y en a beaucoup. Il y a le Rwanda, il y a le Luganda, il y a même les multinationales et puis même les grandes puissances aussi. Ils en profitent en extrayant des minerais qui, de leur part. Ça ne profite pas aux Congolais. Ça ne profite pas. Et c'est comme s'ils sont en train de piller quelque chose et ils en profitent. D'autres pays profitent de développer leurs économies. Et nous avons constaté qu'il y a des pays maintenant qui se faisaient que ce sont eux qui étaient le patron même de la richesse de la République démocratique du Congo. Disons de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que ces pays-là se targuaient au niveau international en disant que non, nous exploitons le coton, nous avons de l'or, nous avons. Et ce sont eux qui étaient pratiquement les gérants de tout ce qui était dans la République démocratique du Congo. Donc, pratiquement, si nous pouvons dire si l'armée n'a jamais été une armée républicaine à cause justement de la mégestion de cette armée. On n'a pas pu avoir une réforme et puis avoir une réforme qui pouvait découler à une armée vraiment républicaine capable de répondre ou bien de défendre le pays. C'est ça la difficulté dans laquelle nous étions. Maintenant, revenons maintenant sur ce qui se passe exactement aujourd'hui. Le M23 est rené. Le M23 vient, il revient. Ce n'est pas que c'est le M23 qui a créé l'insécurité, non. Le M23 vient encore s'ajouter sur le mouvement des Codeco, des ADF qui se faisaient à Ituri et au Nord Kivu. Rappelez-vous que le M23, que c'est un truc que nous connaissons, la population connaît justement cette année ici en 2022, que le M23 réapparaît et commence à donner disons, reconquérir une partie. Donc, nous, en 2018, 2019, 2017, nous avions pratiquement oublié ce mouvement de M23. Alors, il y avait déjà l'insécurité des ADF, que le FARDC ne parvenait pas à terminer. Le mouvement Codeco, c'est pour cela qu'on avait décrété cet état de siège, qui était normal. Maintenant, suivant la Constitution, nous avions vu que cet état de siège, nous l'avions biaisé. Il y avait prolongation. Pourquoi ? Parce que le gouvernement congolais n'arrivait pas et n'arrive toujours pas à gérer le problème réel de la République démocratique du Congo et le problème réel de même de ses forces armées. Parce que le FARDC, c'est un problème de gestion. C'est un problème aussi d'hommes. C'est un problème de commandement. C'est un problème de commandement. Mais vis-à-vis de la Constitution maintenant, est-ce que cet état de siège pourrait perdurer jusqu'à une année ?
état de siège qui, on l'a prolongé, la situation devenait de plus en plus pire. Et c'est là où nous allons voir qu'il y a eu maintenant violation pratiquement de la Constitution. La Constitution n'est plus respectée à cause d'une situation qu'on ne parvient pas à résoudre. On est en train d'aller par essai et erreur. Tantôt faisons ceci, tantôt faisons ceci, tantôt il faut. Donc on n'a pas finalement pu résoudre et c'est comme ça qu'on viole la Constitution. La fois prochaine, je vais vous montrer l'article. Je crois que notre ami, dans la petite vidéo que je vous ai mis en prélude là-bas, il y avait notre député qui avait justement annoncé qu'il y a eu violation et que maintenant nous nous retrouvons dans une situation ingouvernable. Je crois que vous... cette violation de la Constitution au niveau de la gestion des provinces. Mais ça n'impacte personne. Les députés sont en congé parlementaire, donc le président peut faire ce qu'il veut. Lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Il y a essai, erreur, il faudrait... Mais maintenant, aujourd'hui, il y a même des vidéos qui disent que non, le président de la République a maintenant confiance au Mai Mai. Donc, eux, ils lui demandaient en disant que non, depuis longtemps, reconnaissez. Faites une réforme dans l'armée, parce que dans l'armée, notre armée est infiltrée. Le président de la République n'a jamais voulu entendre de cette oreille, parce qu'il faisait confiance à ces hommes-là, il faisait confiance aux hommes qui étaient. Notre problème ici, c'est cette violation de la Constitution. Allons-nous aller aux élections avec des violations à la Constitution comme ça? Qui peut rectifier les tirs? Et ce sont les politiciens qui se disent que non, allons aux élections, chassons Félix et nous viendrons à sa place. Est-ce que ce n'est pas encore la politique de haute toi que je m'y mette? De mon côté, en tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui est en train de nous dire ce que la solution pourra être au niveau, pour terminer la situation à l'est de la République et appliquer les réformes dont les Congolais en ont tant besoin. Ici, en Contact Pro Live, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous prenons ici à Contact Pro Life? Parce que ici nous nous disons ceci. Nous ne pouvons pas seulement vous dire que nous avons violé la Constitution sans que nous puissions vous proposer quelque chose de concret que nous pensons que ça peut être la solution. Et c'est là même la raison de notre émission. Si nous venons sur les réseaux, si nous venons sur YouTube ou sur Facebook, nous essayons de nous dire ce que nous pouvons apporter à la République démocratique du Congo qui peut sauver finalement notre pays. C'est ça que nous disons. Si nous avons quelque chose que nous pouvons apporter, c'est nous la proposons. Nous ne venons pas ici pour dénoncer ou dire que ceci. Nous savons qu'il y a eu violation de la Constitution. Nous savons que les choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce que nous apportons sur la table qui peut dire que non, Germain, Contact Pro Live, voici la solution qu'il propose. C'est ça que nous disons. Inutile
de revenir à des choses que nous connaissons. Il faudrait que nous passions à des choses maintenant que nous pensons qui peuvent résoudre le problème et remettre notre pays sur le rail du développement. Nous avions dit ceci. Notre idée, c'est de céder le pouvoir à la base. Nous connaissons ça. C'est une chanson qui est chantée par tout le monde. Le peuple d'abord et tout ça. Notre solution, c'est de rétrocéder le pouvoir à la base. Et ça se fera dans quelle manière? Ça sera, par exemple, en faisant un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est une autre idée qui est venue la semaine passée où on nous disait il faut donner un gouvernement d'union nationale et qui sera un gouvernement de transition pour préparer la 4e République. Beaucoup de gens en avaient parlé, mais ils n'en parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Bon, enfin, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent plus. Il y a des confrères aussi qui avaient maintenant suivi cette voie en disant, Germain, tu es en train de parler de bon parce que tu prônes la 4e République. La 4e République, ça va se faire comment? C'est justement en appelant à refaire la Constitution. Parce que c'est par là que nous devons commencer. Nous devons réfléchir sur une nouvelle constitution qui gérera la nouvelle république. Nous ne pourrons pas tomber dans la 4e république dans le désordre. C'est comme ça que nous nous sommes dit que cette période, ça fait presque 2 ans que je suis en train de parler de cette solution. Il nous reste une année. Il n'est pas encore trop tard. Parce que nous ne pouvons pas aller aux élections et retomber toujours dans la même situation. Ici, la communauté internationale est en train de chercher qui est-ce qui peut remplacer Félix, qui sera toujours dans nos bottes et qui continuera à faire ce que Félix a fait. Et que vous voyez que Félix est en train de faire ce que Kabila a fait. Tout ça. Et que nous continuerons toujours dans ce cercle de violence sans pour autant sortir de cet marasme dans lequel nous sommes. Il faudrait que nous, Congolais, nous puissions réfléchir. C'est ainsi que nous sommes dit. Nous avions appelé au président de la République de proclamer une 4e République. Et cette période de transition devra accoucher par un nouveau gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas c'est pour cela que nous disons. Si le président s'accapare de cette vision-là et qu'il y aborde, on réfléchit, les gens qui viendront dans cet gouvernement, il y aura un seul objectif, préparer la 4e République, c'est tout. C'est comme ça que nous nous sommes dit, ce gouvernement-là peut-être pourrait avoir peut-être 25 ou 35 ou 20 membres. Justement pour préparer la 4e République, cette période-là, on devra vraiment définir une période où les Congolais vont s'asseoir pour parler, c'est-à-dire que nous appellerons les états de lieux de territoire. Moi ici, Contact Pro Live, nous l'avons appelé le projet de 145 territoires où le peuple vont s'asseoir, se regardant en face et se dire la vérité. Quelle est la solution globale de notre pays? Par quel chemin nous pouvons parcourir pour finalement sortir de ce pays dans la situation actuelle? Terminer la corruption, relancer l'économie, relancer l'administration. Comment est-ce que nous pouvons contrôler le pays? Ça devrait se faire comment? En appelant ça, en faisant un gouvernement de 25 membres, qui aura tout simplement comme mission de préparer, de mettre à soir les Congolais qui pourront se regarder en face afin de concevoir une nouvelle constitution par l'appel des états de lieux de territoire dans les territoires. Les députés, les sénateurs et tous les acteurs politiques devront être renvoyés dans leur territoire d'origine. Et dans les territoires d'origine, nous avons là-bas le peuple à la base qui est composé de tribus et de notables, de tout ça. Toute la structure est là. Nous devons tout simplement l'appliquer. Renvoyer ces gens là-bas. Et dans les régions où il y a des troubles comme le nord Kivu et l'Ituri, et même dans le sud Kivu, les gens, les acteurs qui devront participer à ces états de lieux de territoire devront s'identifier. Particulièrement donc pour l'est de la République démocratique du Congo, les groupes armés qui œuvrent dans ce territoire-là devront venir s'identifier et s'identifier par les groupes
qui feront cet état des lieux. Donc, c'est qui vont diriger les états des lieux du Nord Kivu et les états des lieux, disons, dans les territoires du Nord Kivu. Les groupes armés qui se trouvent là-bas, même au Katanga, même dans toute la République démocratique du Congo, tous les groupes armés, tous les gens tenant les armes devront s'identifier afin de trouver, d'être contrôlés, d'être participants aussi aux négociations qui découlera à réfléchir sur la nouvelle constitution. C'est ça que nous avions appelé les états des lieux. Ainsi décollera. La première option, la première solution que nous devrons prendre, ça sera l'identification de la population. Et cette identification devrait être prise dans ce projet justement de 145 territoires où le peuple va se communier avec eux. Ils vont dire, voici notre région, voici notre territoire, voici nous sommes autant, voici ce qui sont les notables. Nous en avions parlé de 300 personnes qui devraient être sur une table et que ces 300 personnes devraient venir justement des députés, des notables, de tous ces gens, de tous les forces vives des territoires et les groupes armés. Et pendant, par exemple, ces états de lieux, dans les groupes, dans les territoires où il y avait des groupes, où il y a des groupes armés, ces gens-là, on devrait cantonner pratiquement tous les gens qui sont en armes. Et les identifier, et identifier la population. Voilà un peu la démarche que nous mettons sur table et que nous cessons à dire que non, ça peut faire retomber la tension puisque la guerre à l'Est ne se terminera pas par la force de Kinshasa ou imposée ou bien par quoi qui que ce soit. Ça devra être une communion entre le peuple congolais lui-même. Nous devons avoir cette amabilité de nous dire assez c'est assez, mettons-nous sur une chaise, parlons-en de nos problèmes pour que nous puissions trouver les solutions adéquates à nos problèmes. Le développement, la sécurité et tout. Et ce nouveau Congo, ça sera justement ça sera un Congo avec une administration forte, avec une armée républicaine et au-delà. Comme vous me suivez toujours, nous allons continuer à vous expliquer exactement ce que nous pensons de cette nouvelle république. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça que vous n'allez pas perdre le fil d'idées que nous donnons ici.